Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'avant-dernier make-up d'Halloween, ça passe trop vite, qui sera un démon bleu. Donc, pareil, ça fait quelques années que j'avais cette idée en tête à cause de ceci. Je vous montre. Mon petit accessoire, voilà. Alors normalement il s'allume, mais il y a un faux contact dedans, il n'y a presque plus de pile. Alors attendez, je ne sais plus comment ce qu'on fait pour le faire s'allumer. Il ne s'allume même plus. Il y a un faux contact dedans, donc voilà. J'avais récupéré ça, je ne sais plus où, et j'avais dit pour un Halloween il faudra que je le fasse, et c'est le moment. Et du coup, en cherchant des photos d'Harley Quinn pour mes photos d'inspiration, quand j'ai fait le make-up Harley Quinn, que je vous remets en barre d'infos, je vous remets également le réel parce que j'ai trop aimé. Le real, comme dirait Manon, je préfère dire le réel alors que c'est la real, normalement. Mais moi, je dis le réel. Voilà. Et donc, je suis tombée sur cette photo et j'ai dit, oh, ça va trop bien avec le thème. Donc, bah, écoutez, on va tenter de faire ça. Donc là, sur mon teint, j'ai juste mis du fond de teint, de la poudre et un petit peu de fond de teint poudre et du bronzer. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis ici tout. Donc je me rapproche et on attaque. Et du coup, je vais utiliser la Patricia Bright. Alors vous me demandez beaucoup de la réutiliser. Je vous referai un make-up courant du mois de novembre avec. Là, je vais m'en servir principalement pour les deux teintes là. Voilà. Mais je vous ferai un make-up avec, c'est promis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Mais avant toute chose, on va commencer par la base et un pinceau pour appliquer la base de manière assez précise. Au départ, je voulais faire un bandeau en base, mais ça va, entre les losanges, ça va se voir et ça fera vraiment pas beau. Donc je vais reprendre ma photo d'inspiration. Et voilà. Je vais l'agrandir un peu. Alors c'est Harley Quinn, je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais j'ai adoré l'idée. Voilà, tout simplement. Donc moi je ne vais pas faire les effets cassures, là, je vais faire vraiment tout droit comme eux ils ont fait. Enfin, pour le reste quoi. Donc je prends assez bien de base, hein, parce qu'il va m'en falloir un petit paquet. On ne fait pas d'économie sur la base aujourd'hui. Et je vais déjà faire mes formes, donc je vais essayer que ce soit assez symétrique. Donc, je fais les formes externes. On remplira après. Voilà. Et ça revient après comme ça. En essayant d'être précise, ça serait pas mal. Voilà. On a déjà fait le côté du nez. Le dessus du nez. Alors, ensuite, on va continuer au-dessus. Je vais faire un peu plus petit. Ici, un peu plus gros, mais en essayant de le faire un peu plus fin. Je vais repartir d'ici pour avoir un minimum de symétrie. Voilà, là je pense que on est pas mal. Alors en dessous, on va faire remonter ici déjà tout de suite. C'est un peu plus délicat en dessous puisque la peau est plus souple, fine. Ok, ici on va redescendre plus bas. Là, je ne vous ai pas donné l'heure. Attendez, il est 9h49. Voilà, on a la forme de départ. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais remplir avec ma base et estomper un peu les bords. Ce qui est bien, c'est que je ne vais pas du tout en avoir plein les cheveux encore.
Je recouvre aussi mon sourcil, hein, puisque tout est caché par les formes de losanges. J'aurais pas un plus gros pinceau, voilà, parce que j'en ai pour 3 jours. Voyez le fond, au pinceau au fond de teint. Oui, ça sera plus diffus aussi. Bon, il faut que je reprenne la base par contre. Quand j'aurais pu la mettre directement sur ma face, ça aurait été plus simple. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Je viendrai juste relisser l'extrémité des losanges avec le petit pinceau parce que là, pour faire tout, laisse tomber, j'en ai pour 3 jours. Donc, on va repeaufiner les petits détails avec le petit pinceau et les sourcils aussi parce que avec le pinceau à fond de teint, c'est pas assez. Assez diffus, enfin assez camouflé plutôt. Celui-ci devrait être un peu plus long à faire que les derniers que j'ai fait, hein. Mais celui de demain, il sera encore plus, je pense. Alors, je vais prendre un pinceau plat assez précis, donc je prends le Urban Decay double embout, comme ça, j'ai les deux embouts, et je vais prendre la teinte Nœud Bleu, donc qui est le bleu hyper foncé, juste ici. Donc je prends sur la tranche et je vais déjà faire délimiter toutes mes formes. Donc vous inquiétez pas si c'est pas trop net sur les bords. Après de toute façon on va utiliser un liner noir pour faire dessiner les losanges. Donc c'est un peu long et chiant hein, évidemment. Une fois que je vous ai expliqué une fois, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc je coupe pas mal hein, pour ces vidéos-là. Voilà pour le tour. Ça fait un peu super-héros aussi. Donc ensuite, je reprends du produit, enfin de la même teinte, hein, et je dégrade vers l'intérieur de chaque pointe. Pareil pour ici, les tempes, je vais dégrader vers l'intérieur aussi. Ça donnera un effet de profondeur masque. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, je prends un pinceau estompeur pour bien estomper partout, éviter qu'il y ait trop de taches. On viendra peaufiner après de toute façon. Voilà pour l'instant. Donc j'ai tout de suite essuyé mon pinceau. Je reprends le pinceau là pour reblender la base qui a déjà commencé à sécher. Tout simplement l'autre côté de mon pinceau et je prends la teinte bleue Océan Deep ici. C'est vraiment le bleu qui ressemblait le plus à mes cornes. Et là, bah, je mets partout. Maintenant, je ne sais pas si on va avoir une réelle différence. Hein. Normalement, quand même un peu. Hein. J'insiste bien sur les sourcils. Oh, mes pauvres sourcils. Et je remonte également dans les pointes hein, pour faire le joli dégradé. C'est pareil, j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus grand. Je me serais un peu moins emmerdée, mais bon. Un côté. Et une fois que j'ai fait ça, je vais devoir aller nourrir mes clébards. Parce qu'ils gigotent derrière la porte. Et là, comme ça, au moins, ça va déjà figer la base. Parce que si j'arrête 15 minutes le temps de les nourrir, 15-20 minutes, avec la base et le fil, il faudra que je donne un coup de brosse dans mes sourcils. Mes petites chenilles n'aiment pas être décoiffées. Donc j'en mets bien partout, hein, sur les yeux, en coin interne. Il faut que ça fasse vraiment le bandeau bleu. Quoi. Alors privilégier un plus gros pinceau, hein. Je sais, j'ai rien. Mais j'aime me compliquer la vie. On essaye de couvrir au maximum, hein, qu'il n'y ait pas de tâches. Et on sonne à la porte. Voilà, c'était le facteur. Du coup, j'en ai profité pour terminer mon bleu. Et j'ai juste repris un gros pinceau souple, comme ça, pour redonner un coup partout. Voilà, pour éviter les taches. Parce que surtout de ce côté-ci, comme le facteur est venu, ça a fait des taches. Mais voilà.
Alors, ensuite, je reprends le pinceau là est le bleu le plus foncé et je vais redégrader mes pointes. Il y a du vent et une circulation de malade. Pour rajouter un peu du foncé parce que du coup, on en a un peu perdu. Je reprends celui-là pour replanter correctement. Ok, alors avec celle-ci, je pense qu'on en a fini. Attendez, je reprends ma photo. On voit clairement qu'il y a des zones un peu plus foncées à droite, à gauche. Donc, je vais prendre la Edge of Opulence. Donc, je vous remets le swatch et le make-up en part de fois. Je reprends mon pinceau que j'ai estompé, celui-là, hein, je l'essuie. Et je vais prendre du coup le bleu le plus foncé. Attendez, j'ai un poil. Le bleu le plus foncé. Alors, j'en prends pas trop parce que c'est hyper pigmenté. Et je vais faire quelques petites zones d'ombre à droite, à gauche. Je sais pas où. Je vais déjà en faire une ici. Une ici, oui, une petite. On reprend celui-là pour blinder. Et pour les fards, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ah non, il faut du marron, attendez. Alors, je prends un petit pinceau plat et le marron ici au-dessus qui est le... Non, j'ai pas envie de ce marron là en fait. Attendez, je cherche un marron un peu plus chaud. Un peu plus froid justement. Je vais prendre celui-ci du coup dans la opulence. Ouais, le Pro Motion. Donc pareil, j'en prends pas beaucoup, j'en prends juste sur la pointe et je vais dégrader chaque pointe en extérieur pour donner du relief à l'espèce de masque pour faire un peu comme s'il était en relief tout simplement. Si vous avez trop de bleu qui se mélange avec vos vous essuyez. Hein. Je vais prendre un petit pinceau assez fin, mais estompeur pour blender les bords. Vous voyez, ça fait un effet de profondeur. Et avec les traits, maintenant, ça va faire encore plus un effet de profondeur. Alors, on va passer au plus chiant. Donc, je prends un Hydra Liner noir. Je vais déjà mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Attendez, où c'est que j'ai foutu mon crayon? D'ailleurs, je remets en muqueuse inférieure aussi parce que ça va faire trop bleu. Sinon, si je mets du bleu, j'estompe un peu. Voilà, pareil en ras de cils, je vais en mettre un peu au crayon que je vais estomper au doigt. Faut pas que ce soit net. On va commencer par faire les losanges. Donc, je vais commencer par celui ici au-dessus. Le problème, c'est que je ne vois pas bien. Alors, quand je cache cet œil-là, je vois absolument rien. Il redescend ici. On va devoir faire les traits plus correctement après. C'est absolument pas droit du tout, celui-là. Bon, je suis pas douée pour les losanges. Alors, ensuite, ici... Donc, je peux déjà fermer... Celui-ci. Oui, mais là, ça fait pas un losange du coup. C'est parce que les deux là, j'aurais dû les faire plus. Donc on va faire comme ça. Oh, j'ai pas été droit du tout. Chier, j'ai foiré mon nez. Tant pis, hein, parce que là, si j'efface. Ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Bon, écoutez, on va juste faire des formes aléatoires triangulaires. Je vais déjà faire le tour des autres. L'inspiration est là. La symétrie est pas là du tout. Voilà, une fois que le tour est fait... Oh, c'est beau quand même. Ça me fait penser au Roi des Glaces... comment ça s'appelle, Game of Thrones. Donc maintenant je vais juste faire des formes aléatoires de losanges, même s'ils sont pas symétriques. On va combler en fait, vous voyez, là ça en fait un ici, un
Voilà, je vois que ça à faire parce que la question symétrie, on repassera total. Ici, je peux déjà fermer celui-là. Ici, on va faire un plus grand. En fait, je me base sur les pointes un peu, voir où ça me mène et le reste, quoi. Ici aussi, on va faire un plus grand. Voilà. Et ici, on va prolonger celui-là. Ok. Ça fait plus du tout des losanges en fait. Je vais en faire un comme ça. Ici, on ferme, ça en fait un. Je veux plus de losanges. Si on prend ici comme ça. Sauf que celui-là, bon, il n'est pas terminé. Et je ferme ici. Voilà, vous avez compris le principe, je crois. Sauf que ici, bon, c'est pas top top. Je pense que ici, j'ai refermé un. On va faire un petit ici. Ouais, ça habille un peu plus le coin externe. Voilà, je vais peaufiner, faire l'autre côté, peaufiner mes traits. Sur chaque pointe, je vais mettre un strass noir et sur les lèvres. Le sub-zéro, bien évidemment, et les fossiles révolution. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Voilà le look final pour cet avant-dernier make-up d'Halloween. Je suis beaucoup plus satisfaite du résultat que ce que je pensais. Il n'est pas du tout parfait. C'est celui que j'ai le plus foiré, je pense. Les traits sont pas très droits. Mes losanges sont pas très losanges. Voilà, tout simplement. Mais c'est plus une forme géométrique, du coup. Et du coup, j'ai rajouté des strass à chaque croisement pour cacher un peu les petits défauts, même s'il y en a d'autres. J'ai pas super convaincu. En plus, ça colle dans mes yeux, ça, et là, c'est dégueulasse. Voilà, ici, j'ai juste ajouté des petits strass par-ci, par-là, et ce rouge à lèvres que j'aime tant, le Sub-Zero, que j'utilise pas assez, et mes petites cornes. Qu'est-ce que vous pensez de mes petites cornes? Elles me vont bien, hein? Pour une fois, on voit ma vraie personnalité. Bref. Eh bien, écoutez, quand je pense que je vais encore devoir tout enlever, c'est déprimant de faire des make-up du genre et puis de devoir les enlever quelques minutes après. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. J'aime beaucoup. Le facteur, il a ouvert, il a fait « Oh !» Voilà. Bon, c'est pas celui que je préfère. Enfin, si, j'aime beaucoup l'idée, mais sauf que j'ai fait des erreurs, quoi. Voilà. Mais de là où vous êtes, je pense que ça va. De près, c'est la cata. Mais de loin, ça passe. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. De vous abonner, ça fait aussi vraiment plaisir. De partager le contenu, voilà, pour attirer du monde sur ma chaîne. On se retrouve de toute façon demain avec le dernier make-up d'Halloween, qui est la Queen of the Mexique. Hein, sauf que je ne pourrai pas la mettre en première, puisque je ne serai certainement pas rentrée ou rentrée trop juste et tout ça, puisque demain, jour où vous verrez la vidéo, je serai avec mes copines. Voilà, c'est la journée où je peux que je passe avec mes copines. Bref, donc voilà, bah, en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.